Ce week-end, 8500 lettres de la KU Leuven seront envoyées, rapportait l'Act News. Ceux qui en recevront une auront l'occasion de participer à la vaste étude nationale sur l'épidémiologie des troubles de santé mentale. Elle vise à déterminer si toutes les crises de ces dernières années ont eu un impact sur nous et si nous trouvons suffisamment d'aide. Il s'agit de la première fois depuis 20 ans que des scientifiques s'intéressent de près à la santé mentale des Belges. La première étude européenne sur les troubles mentaux nous a appris que notre pays avait un score similaire à celui des autres pays occidentaux en termes de problèmes mentaux. Déclare le professeur de psychologie clinique Patrick Lutten KU Leuven. Mais nous n'avons pas obtenu de bons résultats. Chez les femmes, par exemple, le risque de dépression était de 20%. Et maintenant, nous traversons le Covid-19, une guerre, la menace climatique en peu de temps. Cela rend le risque de problèmes psychologiques assez élevé. L'équipe de recherche encourage toutes les personnes qui reçoivent une lettre à remplir le questionnaire en ligne. Cela prend environ 30 minutes. De plus, chaque participant pourra, s'il le souhaite, recevoir ensuite un bref retour sur son propre bien-être et recevoir des informations générales sur la santé mentale et les lignes d'assistance téléphoniques.